Après avoir été tout autant victime du talent de Francesco Moser que de l'ambiance particulière du Giro quelques années plus tôt, Laurent Fignon revient et gagne en 1989. Après Jacques Anquetil et Bernard Hinault, Fignon prend place au palmarès du deuxième tour national. Fignon se révèle solide en montagne, efficace contre la monte, il est même sprinter. Dernier Français vainqueur. 1990, l'Italie attendait impatiemment. Gianni Bugno, déjà vainqueur en début d'année de Milan-San Remo, écrase le Giro de toute sa classe. Il prend le maillot rose le premier jour et le garde jusqu'au bout. Fignon a été éliminé sur chute. Motet est deuxième en gagnant une étape des Dolomites. Bugno s'installe au premier rang mondial. 1991, Bugno, Chiappucci, Lemon, Delgado, Fignon, ils seront tous au départ dans 48 heures du Tour d'Italie. Ce sera une grande répétition un mois avant le Tour de France. Le 74e Giro totalisera 3690 km, dont 117 contre la monte individuelle. Il y aura 6 étapes de montagne. Les principales difficultés seront concentrées dans la dernière semaine dans les Dolomites. L'arrivée sera jugée le 16 juin à Milan.